continue toujours hein, dans ce petit bois avec ce tapis de lierre. Hein. Vous savez, regardez, je sors de là, là, je vous montre. Hein. Hop, juste devant là. Voilà, hein. Juste derrière toutes ces branches là, j'ai réussi à me faire un petit passage. Et j'arrive ici, je vais vous montrer. Regardez, tous ces morceaux de bois couchés là. Un genre de mare ici, hein, une mare d'eau là. On voit juste devant. Et je vais donc détecter, mon détecteur est juste en face là. Je vais détecter toute cette partie là et toute l'autre partie derrière là-bas. Ça me semble intéressant. Je vais vous dire pourquoi. Et je suis passé du côté de la route et j'ai vu qu'il y avait un petit calvaire côté route qui appartient au domaine. Donc j'ai envie de... Ouais, forcément, je suis intéressé d'aller y mettre un coup de détecteur dans ce coin-là. J'ai eu du mal à passer, hein, je vous assure. Donc on va s'occuper de ce coin-là et puis on se retrouve tout de suite pour une jolie trouvaille, j'espère, hein, tout à l'heure. Je vous reprends ici, regardez, si c'est pas une trouvaille insolite, ça, je vous montre, regardez voir. Je crois que ça, c'est une trouvaille insolite, regardez. Tac, je vais vous montrer. J'ai vu ce que c'était, hein. Ah, ça, c'est pas mal, hein, en plein milieu des bois, hein. Regardez. C'est un chargeur ou un testeur de batterie. En plein... Oh, d'accord. Regardez la tronche. Oh, c'est rouillé, hein. Allez, franchement, je vais regarder les fils. C'est pas une trouvaille insolite, ça. En plein milieu du bois, hein. C'est tout, c'est rouillé, hein. Évidemment, hein, c'est concrétionné. Ouais, c'est ça, c'est un testeur de batterie. Je vous le montre. Bon, c'est bouffé, hein, c'est mort les pinces. Le reste a l'air en bon état. Hein. Vous savez, franchement, je crois que je vais le ramener. Je vais le poser là et quand je vais retourner à ma voiture, je vais le tester chez moi. Je vais le tester, je suis obligé. Je sais pas si vous en feriez autant, mais bon voilà, je vais le tester, c'est sûr. Je vous dis à tout de suite. Je reprends hein. Ici un bon trou là. Hein. Allez, une vingtaine de centimètres, on va dire. 20 centimètres. Et ça se passe là. Regardez voir, regardez le pavé là. Comme il est beau celui-là. Je vous montre. Regardez ce que c'est. Ça, c'est du pavé, ça. J'aime bien trouver ce genre de monnaie. C'est cool, ça. Oh, c'est cool, c'est monnaie ici. Hein. Vous voyez, hein, ce bois, il est plein de surprises quand même. Hein. Vous avez vu cette batterie, là, ce testeur de batterie, là. Incroyable, hein, ce que les gens peuvent balancer. Hein. Je suis pas loin de la route, là. Hein. Je pense que les gens doivent balancer ça de la route, hein, vous savez. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui va pas, quand même. Je vais la frotter un peu, je regarde, hein. Oh, elle est propre cette monnaie, hein. Ah, elle est propre. Elle est bien rincée, mais... Je regarderai à la maison, je vais pas trop frotter. Regardez, je vous montre. Je sais pas si la mise au point se fait bien, là. Je regarderai à la maison. Hein. Ce que ça donne. Voilà, je vous tiens au courant. Je vous dis à tout de suite, en tout cas, et je continue de fouiller dans ce bois, hein, vous voyez, hein. Ces tapis de lierre partout, hein, même en prolongeant. Hein. En fait, il est plus grand que je pensais. Hein. Je vous avais dit, il n'est pas très grand, mais une fois que les branches ont été passées, là, c'était pratiquement impossible. Hein. J'ai tout cassé. Hein. Je suis passé. Hein. Et je retombe encore sur un autre petit coin où il y a beaucoup de lierre encore. C'est sympa ici. Hein. Je peux vous dire que chaque son, moi, je suis content quand ça sonne. Je vous dis à tout de suite, en tout cas, c'est cool cette monnaie, je continue là, à tout à l'heure. Je vous reprends ici, regardez. Juste à côté de ces champignons, là. Et c'est ici que ça se passe. Regardez voir. Comme quoi, il y a des sacrées surprises dans ce bois. Regardez cette monnaie. Vous voyez là? C'est une 2 euros. C'est une pièce de 2 euros, tout vêtement. Hein. Vous voyez? On trouve des Lindauer, des Louis XVI, et on trouve des euros aussi. Hein. Comme je vous dis, hein, la route est pas bien loin. Hein. Voilà, je suis pas surpris. Hein. Ouais, c'est ça, c'est une pièce de 2 euros. Hein. Oh, regardez ça.
Bon, ben, je continue là, moi. Plein de surprises, ce bois, vous voyez. Hein. À tout de suite, je continue. Je vous reprends ici, là. Regardez. C'est un bouton. Hein. J'ai vu ce que c'était. Hein. J'ai même mis un coup de pelle, malheureusement. Je vous le montre. Je vais le nettoyer un peu, ce bouton-là. Je vois pas ce que c'est, hein. Je vous montre. Je regarderai à la maison, pareil. Hein. Je sais pas si la mise au point se fait bien, là. Là, il va pleuvoir. Je peux vous assurer que j'ai des nuages noirs au-dessus, là. Je suis un peu couvert par les arbres, mais il va pleuvoir, je pense. Hein. Je vous montre. Hein. Je regarderai à la maison. Je vois pas trop ce que c'est, là. C'est cool ici, hein. Il y en a des choses, hein. Je me sens bien dans ce bois là, moi je peux vous dire. Hein. Voilà, hein. C'était pas très profond. Hein. J'ai mis un bon coup de pelle quoi. Hein. Je vous reprends ici là. Une autre monnaie là. Enfin, je sais pas si c'est une monnaie, regardez. J'ai enlevé mon casque. On dirait un jeton ou. Et là, je vous montre. Je sais pas trop ce que c'est. Hein. C'est une monnaie, une pièce couleur rouge. Je vais regarder ce que c'est, je vais essayer de la nettoyer. Vous voyez, il y en a des choses hein, qui se trament dans ces tas de lierre. Hein. C'est cool ici, hein. Moi je me plais ici. Hein. Ah, elle est bizarre cette monnaie, ouais. C'est pas une monnaie ça. C'est quoi ça? Je vais vous montrer, hein, je sais pas ce que c'est. Ça c'est une monnaie ancienne ou un jeton, regardez, voir ça, c'est pas assez bizarre ça. Hop. Je regarderai à la maison, hein. On regardera ensemble, hein, vous savez bien. Hein. Je sais pas ce que c'est. On dirait un jeton peut-être, hein. Je sais pas. Moi bon, je continue, hein, on regardera à la maison. Hein. C'est un jeton, je pense. Hein. Je crois pas que c'est une monnaie. Hein. Voilà, je vous dis à tout de suite, je continue en tout cas. Je vous reprends ici, regardez, après la batterie, le testeur de batterie, regardez. Une vieille paume d'arrosoir, franchement, ici, plus je vais vers la route, plus je trouve de la misère quand même. Hein. C'est grave, les gens sont graves. Hein. Et regardez ce que je trouve à côté de la paume de douche. Une petite lampe. Oh, c'est pourri, hein, vous voyez, l'anneau, il est... Voilà, la lampe, je vais quand même regarder. Je l'ai allumé déjà, elle ne marche plus. Bon, ça serait douté. Hein. Mais je vais quand même la garder. Parce que je vais voir si je mets des piles, si ça fonctionne. On ne sait jamais. C'est une petite loupiote. Hein. Voilà, dans les bois. Hein. C'est pas extra. Hein. C'est pas terrible quand même. Hein. Il y a vraiment un problème, hein, comme je dis. Hein. Les gens sont graves. Hein. Je démonte. Hein. Est-ce que les piles seraient avec? Ah, il n'y a pas de piles dedans. Bon, au moins, il n'y a pas de... Il n'y a pas de lithium ou de saloperie de plomb à traîner dans la terre. Mais je regarderai chez moi quand même. On regardera, tiens, ce sera rigolo ça, si elle fonctionne. Je continue, hein, il y a des surprises ici. Hein. J'espère que ce ne sera pas que de la déchetterie, on pourrait dire ça comme ça. Allez, à tout de suite, je continue. Je vous reprends ici, là. Pas un gros trou, hein. Ça fait une main à peu près, regardez, je tombe sur ça. Je vous montre. C'est une plaque. Hein. Bon, ça peut être banal, hein, vous me direz, mais je viens de penser à quelque chose là, regardez. C'est une plaque avec des inscriptions, hein, je vois. Hein. Je vais vous montrer, hein. Bon, je l'ai cassé. Hein. Ça c'est con, mais bon, je peux voir hein, avec l'autre morceau ce que c'est. Hein. Parce que c'est. Je vois, il y a des inscriptions, hein, je vous montre, regardez.
sais pas si vous voyez bien. Il y a des inscriptions sur cette plaque. Sur l'autre morceau, pareil. Hein. Je pense que ça doit être comme ça. Ça m'intéresse, je vais vous dire pourquoi. Parce que sur ce domaine, il y a un bombardier qui s'est écrasé ici. Un bombardier américain. Je ne sais plus le nom exactement. Hein. J'ai entendu parler de cette histoire. Vous savez, quand dans le numéro 1 de Terre Secrète, hein, j'avais discuté avec une dame qui était près d'un lavoir et qui m'avait parlé de cette histoire, qui s'était crachée. Hein, je crois qu'il y avait eu 9 morts, hein, il me semble. Hein, je ne vais pas dire de bêtises, hein, je rectifierai s'il faut. Hein. Je vais demander au domaine exactement à quel endroit il s'est écrasé, ce bombardier, puisque ça s'est passé sur leur terre. Et je vais aller détecter le prochain numéro, j'irai détecter là-bas pour aller voir ce qui se passe un petit peu. Comme je vois cette plaque avec des inscriptions, ça vaut quand même le coup d'œil d'aller se renseigner. Donc voilà, je vais arrêter là pour ce numéro. Hein, on va regarder un petit peu toutes ces trouvailles. Hormis cette plaque, hein, je vais me renseigner un petit peu au domaine pour savoir ce qu'ils en pensent. Et je vais aller détecter pour le prochain numéro, justement, où s'est crashé ce bombardier américain. Je veux en avoir le cœur net de cette histoire. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, hein, pour les présentations. Et puis, à tout de suite. À tout à l'heure. J'ai testé, hein, cette vieille batterie. Hein. Sa place, elle est ici, dans une déchetterie, évidemment. Voilà. C'est pas dur, hein, c'était à 1,5 km. Hein. À tout de suite. Je vous retrouve pour la fin de ce numéro. Hein. Drôle de choses hein, dans ce bois, hein, notamment cette batterie. Hein, c'est étonnant hein, quand même hein, de trouver ça en plein milieu des bois. Hein. Bon, je suis pas très loin de la route, hein, vous avez vu. Hein. Je serais pas surpris hein, que les gens s'arrêtent là et voilà, ils balancent ça bon, à sa place hein, et à la déchetterie, hein, vous avez vu, hein, voilà. C'est là qu'elle doit se trouver, c'était pas très loin en plus. Hein. Donc voilà pour cette batterie, hein, cette petite lampe aussi, hein, je vais vous la montrer de près, vous allez voir. Elle est sympa, bon elle marche pas, hein. On s'en serait douté un petit peu, hein, voyez. Une lampe ou je sais pas, ou un laser peut-être. Hein. Voilà. Bon, ça marche, ça fonctionne plus. J'ai mis une pile dedans, hein. Ça marche plus. Hein. Donc voilà, elle est bien, l'anneau est tout rouillé. Hein. Je pense qu'il y a un petit bout de temps qu'elle était là quand même, celle-ci. Hein. Bon. Voilà, bah, je la pose ici hein, de toute façon. Le couteau, je vais vous le montrer, hein, ça vaut le détour. Hein. Regardez, je l'ai nettoyé. Hein. Il est beau ce couteau. Regardez d'abord le manche. Vous avez vu le manche en bois là, comme il est joli. Voilà, il est magnifique ce couteau. Hein. Et regardez la lame. J'ai réussi à la sortir de son logement. Vous avez vu ça, comment elle est mangée. Hein. Je pense qu'il y a un petit bout de temps que c'était dans le sol. Et là, vous voyez, petite inscription là sur ce couteau. C'est Auray. Auray, c'est la ville où il a été acheté ce couteau. Hein. Il est assez vieux, hein, il y a longtemps qu'il était sous la terre, hein, comme je vous dis. Hein. Bon, ben, moi je suis content, vous savez, hein, quand je fais ce genre de trouvailles, hein, vous savez bien, hein, les couteaux, les croix, les médailles. Hein. Donc évidemment, je vais le conserver parce que je l'ai bien récupéré, hein, comme d'habitude, hein, avec du citron hein, et du bicarbonate de soude. Hein. On en avait parlé, hein, je vous en avais dit quelques mots. Hein. C'est pas la peine d'essayer les méthodes qui sont super agressives au départ. Hein. Comme l'électrolyse, hein, par exemple. Hein. Je m'en sers hein, de l'électrolyse hein, sur vraiment des grosses pièces en ferraille hein, où j'aimerais savoir, dont j'aimerais savoir la nature. Hein. Voilà, sur des objets, quand je peux pas les récupérer aussi, hein, je le fais. Mais là, vous voyez, il n'y avait pas besoin d'électrolyse. Voilà, il va rejoindre les autres couteaux, hein, évidemment. Hein. Je crois que c'est 6 ou 7 hein, maintenant. Hein, ça commence à faire pas mal de couteaux, hein, cette histoire. Hein. Je le pose ici, en tous les cas. dans les choses étranges, on va continuer, je vais vous montrer ça. Franchement, si vous savez ce que c'est, si vous avez une idée, alors là, lâchez-vous, hein, n'hésitez pas, hein, vous avez vu, c'est rond, c'est creux et c'est pointu. Voilà, je ne sais pas du tout à quoi ça pouvait servir, hein. Ça pèse un peu son poids. Bon, faites une pause, hein, quand vous verrez, hein, faites une pause. Sur ce numéro, et puis vous, si vous voyez à quoi ça peut correspondre, faites-moi un petit signe, hein, vous me dites dans les commentaires, j'aimerais bien savoir, je serais curieux quand même. Hein. Bon voilà, je vais le poser ici,
Même chose. Les Lindauer, vous avez vu ce bois quand même, hein, trois Lindauer hein, dans un espace assez réduit. Hein. Il y a une 25 centimes, une 10 centimes et une 5 centimes. Bon, j'en avais parlé déjà hein, des Lindauer, hein, vous vous souvenez, les pièces, les monnaies SAPEC, hein, pièces SAPEC. Je ne vais pas refaire tout le sujet, je ne vais pas le reprendre. Hein. Pour ceux qui aimeraient en savoir un peu plus, hein, je vous invite à regarder dans les numéros précédents hein, de Terre Secrète. Et puis j'en parle, hein, des pièces à trous. Voilà ces petites monnaies hein, qui sont bien sympathiques. Moi j'aime bien trouver les Lindauer, hein, franchement. Bon là elles sont un petit peu vieillies par le temps quand même. Hein. Donc voilà, je les pose ici, hein, trois petites monnaies Lindauer. Je les mets là. La pièce de 2 euros. Pas de surprise, hein, c'est une pièce de 2 euros. Je la pose là, on va pas en parler. Hein. Tout le monde sait ce que c'est. Hein. Donc voilà, hein. On va parler un petit peu de cette monnaie où Edith et Steven hein, avaient trouvé hein, tout de suite. Hein, denier, vous savez, c'est une monnaie, une denier. Hein, dit d'Ardennes, hein, j'avais pris quelques notes. Hein. Voilà, le terme d'Ardennes hein, vient du fait que les flancs étaient préparés au château de Dardenne. Dans la commune de Revest, dans le Var, près de Toulon, et c'était fait à partir du cuivre de vieux canons de marine réformée, ce genre de monnaie. Donc voilà, hein, il devait en faire, je crois, c'était 80 millions, mais pareil, hein, vous savez, le manque de matières premières a fait que ça n'a pas pu être réalisable. Hein. Donc voilà, bravo hein, Edith et Steven, hein, franchement, vous avez été super réactifs. Hein. Bon, j'avais pas mes lunettes, moi, quand je détecte. Hein. Je les mets rarement, hein, j'ai peur de les abîmer. Donc voilà, vous avez. Je pensais que c'était une royale. Hein, et non, c'était une denier d'Ardennes. Bravo en tout cas à vous deux. Hein. Je la pose ici. Il y a tous ceux qui avaient deviné, hein, évidemment. Voilà, je la pose ici. Je vais vous montrer le bouton. Le bouton, c'est marqué chapelle derrière. Hein. Je vous montre. Hop, voilà. Vous voyez l'arrière du bouton. Je vais vous montrer le devant. Il est beau ce bouton. Hop, voilà pour le devant. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Hein. Faites une petite pause là sur l'image. Et franchement, si quelqu'un a la solution, n'hésitez pas à la faire partager. Hein, ce serait sympa. Donc voilà pour ce bouton. Hein, il a l'air sympathique. Hein, je l'ai nettoyé. Il a pris un coup de pelle. Hein. Bon, bah, ça arrive hein, des fois. Hein. Malheureusement, on n'aime pas trop abîmer ce qu'on trouve. Bon, je le pose ici si vous avez une petite idée. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, à la faire partager. On va passer à la médaille. Franchement, regardez comme elle est jolie cette médaille. Je vais vous la montrer. Alors, regardez la beauté de cette médaille. Franchement, c'est de l'argent. Hein. Vous avez vu comme elle est belle. Hop, je vais vous montrer l'autre côté. Voilà, vous voyez comme elle est jolie. Bon, c'est la médaille de Sainte-Anne. Hein. Pas surpris hein, de trouver ça par ici, hein, Sainte-Anne-d'Auray, c'est pas très loin de chez moi. Et voilà, il y a beaucoup de médailles hein, de ce style. Hein. Bon, celle-ci, hein, je pense qu'elle était sous terre hein, depuis un petit bout de temps quand même. Hein. Elle a pas bougé, hein, franchement, c'est extra, hein, je vous ai dit. Hein, moi, j'aimais bien hein, tout ce qui touchait, tous les objets qui touchaient à la religion. Hein, je trouve ça superbe, hein, c'est beau, hein, les médailles, les croix, les chapelets, enfin voilà quoi. Je suis amoureux, moi, de ça. Quand je trouve ça, je suis comblé. Donc, voilà, pour la petite médaille. En tout cas, je suis bien heureux de l'avoir découverte, celle-ci. Bon, ça, c'est un jeton. Hein. Vous savez, la monnaie, la pièce rouge, hein. Je vais vous la montrer. Regardez. Voilà, je pense que c'est un jeton. Hein. Si quelqu'un a autre chose là-dessus, je vais vous montrer l'autre côté. Hop, voilà. Hein. Il n'y a rien, en fait, hein, sur ces faces. Hein. Voilà, si quelqu'un a une idée là-dessus, pardon, n'hésitez pas, hein, pareil, à le faire savoir. Hein. On en était où j'avais une monnaie là, elle est rincée, vous savez, dans le numéro précédent, j'avais trouvé une grosse monnaie, elle est rincée. J'en ai trouvé une autre, plus grosse, celle-là, je vous la montre, regardez. Voilà, regardez, on arrive à bien lire. Hein. C'est un décime, hein, de l'an, alors l'an, je ne sais pas si c'est 5 ou 7. Atelier D, hein, on le voit bien. Hein. Voilà. Je vous montre l'autre côté.
Voilà, vous avez vu le trou en dessous? Voilà pour cette monnaie. Hein. Je la pose ici. Pareil, je ne vais pas m'asseoir. Je vous montre celle-ci. Regardez. Hop, voilà le faisceau avec le bonnet phrygien. Je fais pas de photo. Hein, tout le monde connaît. J'en ai montré une il n'y a pas longtemps. On en a parlé. Voilà, bon, elle est un peu passée, hein, évidemment. Hein. Voilà pour cette monnaie. Bon, j'ai trouvé des cartouches, quelques déchets, des balles. Voilà un petit peu, hein, c'est à peu près tout hein, pour ces découvertes. Hein. Cette plaque. Voilà, cette plaque, moi, elle m'intrigue, hein, vous savez, hein, je vais vous dire pourquoi. Hein, je vous en ai parlé déjà hein, quand je l'ai trouvée. Hein, cette plaque avec des numéros dessus. Hein. J'ai pensé, hein, ça pouvait peut-être provenir d'une carlingue. Comme je vous ai dit hein, quand je l'ai découverte, pardon, sur les sur les terres de ce domaine, hein, de ce château, un bombardier américain s'est écrasé. Et donc, je ne sais plus, je crois que c'est 7 ou 9 morts, hein, je vous ai dit, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Hein, je me renseignerai là-dessus avec le propriétaire des lieux. Mais je sais que c'est sur les terres du domaine. Hein, j'avais discuté avec une personne hein, dans les numéros précédents. Je crois que c'était dans le numéro 1 hein, de Terre Secrète. Hein. J'avais parlé avec une dame qui était au lavoir. Hein, et puis, elle m'avait parlé de cette histoire. Et ça a fait tilt hein, dans ma tête. Hein, ça a ressurgi, cette histoire de bombardier qui s'est écrasé justement sur ces terres. Donc, voilà pour le prochain numéro. Je vais voir ce que je vais faire. Hein. Soit je continue dans ces bois, parce que quand je lis un trésor dans un bois, pour moi, ça fait pas de doute. Hein. Il y a forcément des choses hein, dans ces bois. Hein. Et c'est grand. Et puis, je trouve tellement de diverses choses. Hein. Et depuis cette boursée, franchement, moi, ça se sent qu'il y a des choses de cachées à l'intérieur de ces bois. Et je vais fouiller. Ou alors, soit je vais me renseigner avec, comme je vous ai dit, le propriétaire des lieux. Hein, et je vais lui demander où exactement cet avion, ce bombardier américain s'est écrasé. Et à partir de là, je verrai si c'est possible d'aller détecter justement à cet endroit-là. Ça me paraît intéressant quand même d'y aller jeter un coup de détecteur quand même. Hein. Prenez soin de vous hein, et puis vive la détection. Soyez présents hein, pour le prochain numéro. Hein, je suis sûr qu'il va y avoir des découvertes insolites hein, encore sur ces terres. C'est obligé, ça se sent, ça respire plein de découvertes dans ce domaine, c'est évident. Hein. Donc voilà, hein, merci à hein, tous les abonnés hein, qui sont arrivés sur la chaîne, ça fait plaisir, on en dépasse les 300 abonnés. Voilà, c'est un réel plaisir de vous accueillir tous en tout cas. Voilà, prenez soin de vous, soyez présents au prochain numéro, hein, je vous assure, ça vaudra certainement le coup. Ciao, salut.